مولانا يا مولانا احفظنا في دنيانا مولانا. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Sachez que Dieu a ordonné à la totalité des personnes responsables d'être sur la religion de l'islam, d'y demeurer à jamais et d'en observer les obligations. La responsabilité a des conditions qu'il faut connaître. La personne responsable selon la loi de l'islam, c'est la personne pubère, saine d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'islam. Le messager de Allah a dit, ce qui a pour sens, la responsabilité est levée pour trois personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Rapporté par Abu Daoud. La puberté. La puberté peut avoir lieu lorsque la personne atteint 15 ans lunaire ou autrement. On comprend donc de cela que le jeune enfant, tant qu'il n'a pas atteint la puberté, n'a aucune responsabilité dans l'au-delà. Être sain d'esprit. La personne saine d'esprit, c'est celle qui n'a pas perdu sa raison. Le fou n'est donc pas responsable. Que l'appel à l'islam lui soit parvenu. Il est une condition que l'appel à l'islam lui soit parvenu. Cela signifie que si la personne est pubère et saine d'esprit, elle devient responsable par le simple fait que la base de l'appel à l'islam lui est parvenue. La base de l'appel à l'islam, ce sont les deux témoignages. C'est-à-dire qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. On comprend donc de cela que celui qui a vécu en étant pubère, mais à qui l'appel à l'islam n'est pas parvenu, n'a aucune responsabilité dans l'au-delà. Allah Ta'ala dit « Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasoula » Ce qui a pour sens, nous ne châtions qu'après avoir envoyé un messager. Surat al-Isra, ayat 15. Le fait d'être responsable signifie que la personne fait partie de ceux qui auront des comptes à rendre au jour du jugement. Pour la personne responsable qui n'est pas déjà musulmane, il lui est un devoir d'entrer en islam, d'œuvrer en conformité avec la loi de l'islam, de s'acquitter de toutes les obligations et de se garder de tous les interdits. Que Allah nous accorde d'être pieux. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. واحفظنا سوء العلل وارزقنا حسن العمل واحفظنا